Merde. C'est ça que je veux faire. Donc on est reparti pour un délire. Et on entend ma voix, c'est bon, c'est nickel. Hop, comme ça j'ai pas de problème que j'ai eu avec ce surge. Putain, en fait. Faut être les deux plus hachés ici. Quoique elle, elle a pas de force du tout. Ça, on continue sur Levi. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais. Voilà. Tac, tac, tac. Faut que je me rase mon crâne, mon Jean. De toute façon, je le ferai avant la partie de vacances, donc la semaine prochaine. Ah. Hop. Oh oui, c'est vrai. Attends, j'ai une nouvelle lame. Salut Mugara, comment ça? Alors Mugara, tu arrives au bon moment. Parce que c'est vrai que la dernière fois j'ai arrêté le live comme une pute. Il y a une mission qui est apparue. Une vraie mission. La mission. Donc, ouais, je veux bien, je veux bien. Là, je me suis enfin reposé. Là, si j'ai vraiment pas lavé, c'était. Comment on dit, expliquer. Vendredi, j'ai travaillé. J'ai dormi 3 heures l'après-midi. J'étais en soirée, j'ai redormi 3 heures la nuit. J'ai retravaillé à 7 heures. J'ai dormi 3 heures à l'après-midi. Je suis reparti en soirée le soir. J'ai redormi 3 heures environ le soir. Je suis Après, je me suis réveillé tôt, vers 7 heures et tout, pour prendre le train pour la Japan Expo. J'ai marché toute la journée à la Japan Expo. Dimanche, je suis rentré, je suis dormi. Je crois que j'ai fait. Après, j'ai pu bien dormir entre dimanche jusqu'à lundi matin. Mais sauf que j'étais encore claqué. Et lundi soir, j'ai fait que juste un petit lag de. De 1h30 sur des ondes. Et hier soir, j'étais encore claqué. Parce que entre lundi et mardi, j'ai eu que 12 heures pour me reposer. En gros, j'ai fini à 21h30 et j'ai repris le lendemain à 9h30. J'étais fatigué. Ouais, quand j'ai des horaires comme ça, généralement je live pas trop. Je dors. この先は。ここは中東兵団による防衛ラインだ。穴を見落としたということは。巨人が通れるほどの大穴を見落とすなんて。おい、大変だ。巨人の群れが現れたぞ。 本体の離脱を支援しろ。中東兵団も準備が整い次第加勢する。はい。セブンワンドワイド。何としても全滅は避けなければ、俺たちがおとりになって巨人を引き。ええ、よし、パニックだ。その間に本体を離脱させるんです。馬で走って。 Allez mon petit gars, Udada, Udada, tac tac. Ouais,
Par contre, alors c'est moi, ils sont légèrement un peu résistants ces titans là. Ah, des gens sauvés. Oui, donc ils meurent pas en un coup ces titans de merde là. Ah, on va rigoler, je le sens. Vas-y, on va se reprovisionner au chemin, quand ça c'est fait. Bon, sinon, mon gars, quoi de beau à raconter? Raconte-moi ta vie. Quand tout le monde arrive et tout. Saute, toi. Je suis de merde. Pour les objets pour celui-là. Quoique non, comme c'est une mission assez dure, il doit avoir des objets un peu plus rares. Est-ce que t'as marché le capitaine? T'as le mec qui s'est mis en position levrette. Da fuck. Ah, t'es revenu toi? Eh, si tu me sors, qui fait comme dans le manga, qui me balance des putains de rochers à la... Ok, c'est confirmé. C'est enculé. Ah, je joue à MC, je suis un paresseux, je vais dormir à 5h. Je me lève à 14h. Ah, mais moi, c'est ce que je fais en vacances, moi. Et c'est ce que je vais faire presque aujourd'hui. Et là, ce soir, je lag tard. Parce que demain... Demain c'est le boulot à 14h donc j'ai le temps de dormir demain matin quoi. Sauf qu'il faut que je me réveille minimum vers midi. Non mais vous vous rendez compte que ce fils de pute m'envoie quand même des putains de rochers? Je crois que cette mission, on va la faire plus tard. Avoir du mal dans l'attaque des titans dans ce jeu-là, je pensais pas que c'était possible. Mais ouais. Enfin, quelques secondaires finalement. Hein? Parce que je sais pas si t'as vu, mais la vitesse que le titan a chopé la meuf et que sa vie a fait. Et même rien qu'à Kilibay, le temps que je mets pour tuer un putain de titan. Ils sont pourtant finis, celui-là. Oui. Je me suis fait littéralement enculer, là. Mais j'ai vu le truc déjà quand tu mets du temps à tuer un titan normal. Un titan normal plutôt. Et que tu vois que t'as le titan encore poli qui est dans le coin. Je pensais pas qu'il y avait autant de missions que le titan poli au final. En fait, ils nous ont crevé vraiment en épilogue version. Pour la saison 2 quoi. Et ça fait un moment qu'il est sorti le truc, hein. C'était avant, largement avant l'animé. Ah ouais, là t'as quand même une nette différence de la difficulté du jeu quoi. Cette map là me dit rien. Je crois que le plus gros trou ça me dit quelque chose. Mais tu vois, c'est ennemi, je devrais peut-être entraîner Eren et le titan poilu, je me le fais en mode titan. Ça serait peut-être plus marrant.
Yo, c'est Levi, du vagabond. Attends, d'où t'as rien pour t'accrocher en plus. Fais ton petit Spider-Man et pas mort. Je sais plus si j'en avais parlé, mais on parlait de quoi la dernière fois pour le prochain jeu, pour le Road to Mirage G. Même moi je me rappelle. Oh, je trouverai de toute façon. Bien sûr, un jeu faisable. Hein. De toute façon, là, je suis en train de faire. Je me demande si dans la soirée je me lancerai pas la suite de la Physis Range aussi, tiens. Alors, c'est moi où j'ai failli me faire bouffer ma mission là. Donc ouais, merde putain, j'ai tellement de jeux. Parce que celui-là j'avais choisi parce que c'était simple, mais en plus c'était un peu... Il y avait la hype Attack Titan en ce moment. Oh l'enculé! C'est que, quand même, malgré que le jeu soit quand même assez simple, il commence à être plus en plus dangereux ces putains de titans, en vrai. Ouais, du coup, je me demande. Faudra que je check la liste. Je préfère éviter les jeux en multi. Où il y a du multi. Y'a pas la dernière mission qui est apparue ici, quand même. Ah, bah si, c'est la dernière mission qui est apparue déjà. Donc Miugara, je crois, de toute façon, ça se trouve, j'avais déjà posé la question dans les derniers lives. Et tu serais intéressé plutôt par quoi comme type de jeu pour faire un Road to Mirage G? Et 100% succès.
Ah ça je sais pas. J'ai tout, hein. J'ai de tout. J'ai vraiment de tout. Ouais, comme je disais, j'ai vraiment de tout, donc il y a un putain de large choix. Je les ai tous sur la version 1, c'est simple. Voilà. ce qui fait chier, c'est Code Vein KX et Révélation 1, ils ont pas mis en rétrocompatibilité et du coup ça me pète les couilles. J'essaie de mettre. Non, Code Vein KX, c'est sûr, parce que j'ai en téléchargé. Le 1. Je sais pas, et s'ils les mettent, je pense qu'ils les mettront jamais en rétrocompatible. À un moment donné, ils vont les ressortir en version 1. C'est curieux qu'ils n'ont pas ressorti Code Vein KX en version 1, tu vois. RE6, ouais! Toi, tu veux que je souffle, toi? 100% succès sur RE6. Allez, vas-y, vas-y, vas-y pour R6. En plus, je dois engrainer quelqu'un dessus. Alors, en plus, je dois engrainer quelqu'un, mais c'était sûrement aussi du Hostile 5 à faire. Parce qu'il faut que je finisse le succès de Hostile 5. Donc, du R6 ou du R5, à voir. À voir, à voir. Mais après le problème c'est que R6 c'est le Resident Evil dans la mis à part les hors série, certains que j'aime pas du tout, dans les Outbreak, c'est quand même l'opus que j'aime le moins. Malgré qu'il y a un mode mercenaire et tout, que je kiffe par contre. Ça faut le dire. Genre t'as le mode mercenaire où plus tu tues des ennemis, plus t'envoies des ennemis en fait chez l'autre, ça j'ai kiffé. Mais vas-y pour R6 ou R5. Les deux. Je ferai les deux. Dès qu'on finit attaque des titans, bien sûr. Il est pas prêt le cas parce que vu ce qui a débloqué Nyxaros. Déjà, faut que j'ai le putain de niveau pour dégommer le poilu là. Ah. Avec Jean, c'est fini les requêtes. Marco, Polo. Toutes mes vidéos, lesquelles? Parce qu'il y en a beaucoup quand même, hein. Ce serait la honte si t'as regardé mon premier let's play qui est tellement horrible. Je sais de ma chaîne, mais lesquelles? Précisément. Je suis un peu plus de temps.
Jean, On continue. Bataille de la ville fortifiée. Ça, y'a raison. R7, R5. J'avais mis l'air diff de R5. Hop, tut. Putain, ça veut dire que c'était il y a un an quand même là. Mais en fait, j'attends encore cette putain d'extension là, merde. Le DS de Chris. Ah oui, oh mais j'ai pas fini avec ma sœur. J'ai à peine commencé la mission, Eren s'est fait bouffer. Oui donc ouais, en 5 ouais, j'ai même pas fini avec ma sœur. Est-ce que à chaque fois vous avez plus trop le temps de tourner avec moi. Mais sinon je l'avais refait en live, mais je connaissais pas encore l'option exporter sur YouTube. Ah. Putain, j'ai foutu ma bouteille d'eau. J'ai une bouteille d'eau. Que... Ah bah, il est là. Oui donc, mais qu'est-ce qui se passe les gens? Ils merdent un coup. J'ai à peine eu le temps de tuer un titan que Eren s'est fait. Attrape-moi et bouffe-moi, j'ai envie de mourir. Ah, ça a changé, là c'est Rainer. Ah. Et t'as été un peu mieux. Pourquoi j'ai tué les deux en même temps? Oui. Tellement simple ces missions. Ce soir, décidément, t'es tout seul. T'as vu, le gars, j'ai remarqué que dès le moment que pendant 2-3 jours tu laves plus, bah t'as les habitués qui sont plus là. Il y en a certains, ils viennent plus, ou ils viennent plus tard, parce que du coup, ils sont plus au courant quand tu laves. Du coup, c'est. Il faudrait constamment le laver. Ou de, peut-être aussi, ils sont partis en vacances, les gens. Après Soul, il y a de grandes chances qu'il y ait une meuf, lui, le connaissant, s'il est pas connecté avec une fille. Je le connais. Hein? Mon nouveau modo est déjà absent.
Oh putain, tu sais que vendredi soir m'a mis accro à un jeu. Et que j'arrête pas d'y jouer. C'est le FF15 New Opir. Au premier abord, le truc, le jeu n'a pas l'air terrible, mais en fait, c'est une bonne guilde. C'est tellement bien. Du coup, j'ai pas arrêté d'y jouer au taf. Je peux te dire exactement ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai joué à Final Fantasy. Hier, j'ai joué à Final Fantasy. Non, en vrai, j'ai rangé les réserves, mais bon. Bouger, comment t'expliquer? Dis-moi que tu connais quand même certains FF. Oui, ah oui. Bon bah voilà, FF15 c'est le dernier, mais en mode New Empire c'est en mode... Je peux te comparer à quel jeu? T'as des bâtiments, t'as des ressources, tu crées des soldats et tout, t'as une carte, c'est pas comme un Clash of Clans où tu choisis, quand t'attaques tu choisis où tu positionnes, c'est juste... Voilà, t'as des ennemis plus forts que les autres et tout, que tous les conneries, tu envoies attaquer, voilà, selon les statistiques, tu gagnes ou pas. T'as des, tu peux attaquer des monstres comme ça. Ouais. Oui, mais alors, Final Fantasy XV, c'est... alors, si t'aimes pas les jeux d'RPG au tour à tour, je peux comprendre. Par contre, FF15, le gameplay a totalement changé. C'est un jeu que tu pourrais aimer. Malgré qu'ils ont bâclé l'histoire à la fin. Parce que l'histoire de FF15, ils auraient pu tellement faire mieux. Mais tellement. Et en plus, dans FF15, t'as un DLC où tu joues à jeu prompto, mais en mode. Allez, en mode TPS, troisième personne, si tu veux, comme un Resident Evil 6. Voilà. On va plutôt comparer ça, même si c'est pas une bonne comparaison. Et oui, c'est FF15, faudra que je fasse. Refasse un spécial live de FF15. Pas vraiment 100% succès, mais où on fait tout dessus. Sauf que le problème, c'est que ce que je voudrais, c'est. Dans l'espoir qu'un jour existe. Un mode difficile. T'as un mode facile, mode normal, mais t'as pas de mode difficile et je trouve ça débile. Du coup, quand tu fais la quête principale, bah quand tu fais beau faire quête secondaire et tout, du coup, t'arrives à la quête principale à 4 level. T'arrives à un moment stylé du jeu, bah t'es bon, bah le boss, je te le shot. Hein. Enfin, je te le calme bien. Il y a un autre jeu que je voudrais faire aussi, c'est Oddworld. Celui-là. Un jour, je le ferai. J'avais sur PS1. Il reste combien de missions sur la table des titans? Alors là, franchement, tu peux compter au moins une centaine. Hein. Parce que vu déjà tout ce qu'en armes on doit débloquer, le temps qu'on met pour monter niveau 100 en garnison, c'est pas pour tout de suite, donc c'est pour ça que j'ai essayé de torcher quand même l'attaque des titans le plus vite possible. Tu vois, à la limite, le display live et tout, je fais un coup de 2 heures, comme ça, pouf, on change, tu vois. Genre, ce que je pourrais faire, c'est ces 2 heures de display live et pouf, d'un coup, je fais toute une soirée de l'attaque des titans.
plein temps. Enfin voilà. Regarde, je suis niveau 54 en garnison. Et ça monte pas, ça monte plus. Et je crois qu'il faut être niveau 100. Et t'aurais vu tout ce qu'il faut débloquer dans cette putain de galerie? Oh, il me fait une nouvelle mission. En croquette, tiens, j'en suis où il se détache. Utiliser 10 signaux. Oh putain, j'ai oublié d'utiliser ça. Quel con. Avoir 10 équipiers, putain, ça faut que j'y pense. Accomplir 8 missions secondaires. Ah, Hans qui me donne l'émission. Tac, mission. Parce que regarde, j'ai encore, je suis à 76%, il me reste tout ça. Sachant qu'il y en a d'autres qui vont débloquer. Ouh, ça commence à être des missions chaudes. Enfin voilà, c'est... Voilà, hein, du taf. Allez, on se tue tous les titans de ce côté-là. Attaque des titans. On va tuer tous les titans. Montre-moi ton bras, que je te la découpe petit à petit. Venez que je recrute des gens, juste histoire d'avoir mon défi. Oula, oula. Calme-toi, tout doux. Suzuki, tu veux dire rejoins-moi? Je suppose. J'adore ces pièges totalement inutiles.
Ah bah voilà, il y a des... Mugara, tu vas bientôt te sentir moins seul. Il y a un tout petit Pokémon qui arrive. Faut escorter un aristocrate. Venez les gens, on mord pas, si Mugara est mort. Donc méfiez-vous. On est quand même plusieurs soldats à être autour du monsieur aristocrate, hein. En plus, être aristocrate là-dedans, être bourge, tu travailles non ou pas, quoi. Une bonne question. Non mais, le chemin c'est là-bas. Si t'es mort, tu peux avancer, hein. Parce que j'ai pas mangé encore, et bah voilà, tu vois. Et en plus, si c'est comme Mugara, chapeau de paille dans One Piece, ou Luffy, il y a de l'appétit. Tu vois, t'as dit ça, je veux pas manger des. Ça fait faire tout. C'est la faute de Luffy. De Mugara. Je vais t'attaquer les jambes. Il y a un pote qui a essayé de me narguer. En mode, regarde ce que j'ai acheté. Toi, tu peux pas l'avoir sur Xbox. Il m'a montré FF12 qu'il a acheté. Moi je lui dis, je m'en fous, je suis sûr que je vais sur Steam bientôt, il va y être. Ah oui, t'as un bon gros pépère toi, t'as un bon Luffy toi, en vrai. Allez, 4 kilos de lasagne, il bouffe. Ah, en fait, t'aurais dû t'appeler Garfield. Bon, alors aristocrate, c'est bon en fait. Oui, voilà, mission réussie. Putain, l'aristocrate qui a dit merci. Je pèse que 85 kilos. Ah, bah, t'es plus Meiko. Moi, je dois être dans les 95. En fait, j'ai réussi à m'améliorer jusqu'à 91. Mais depuis que j'ai repris la technique. Quand j'ai changé de taf, bah j'ai grossi 3 kilos. Alors qu'en un an et demi, j'ai réussi à perdre quand même 20 kilos. En étant en rayon. Pour te dire que quand même, quand tu fais 16 000... Allez, je vais arrondir ça à 15 000, mais des fois j'arrivais jusqu'à 18 000. Enfin, généralement c'était 17 000, j'arrivais max. Des fois. En faisant quand même environ 15 000 pas par à chaque fois que je travaille. Au final, t'en perds du poids. Hein. Je transpirais pas forcément tout le temps, dans le sens où j'étais en rayon frais, tu vois, donc ça allait. Mais je perdais du poids, quoi. Sans faire de sport et tout, bien sûr. J'ai quand même commencé à grossir dès que j'étais en première année de BTS. Il n'y avait plus cours de sport. Alors là, c'est là que ça a commencé. Ah Zedox, salut, comment ça va?
Non, vas-y, je vais faire une mission secondaire avant qu'il meure le con. Ouais, je vais bien, Par contre, cette mission commence à être la dèche de... de gaz, là. Non, je vais bien parce que j'ai bien dormi cet après-midi. Oh, puis merde, vas-y, je fais ça. On va essayer de économiser notre gaz parce que de toute façon j'ai pas besoin de booster dans le sens où je les one shot. Quoique, attends. Hop, y'a un approvisionnement. Là. On est bon. Qu'on se refait les titans là-bas. Dans le jeu, les missions dans quel sens que je fais sont trop chaudes. Ah bah c'est un jeu plus que moi, oui. Non mais, tu sais, j'ai fait l'épisode des épilogues et tout. Comment dire que j'ai une mission secondaire, il s'est fait à peine choper par un titan, pouf, il est déjà croqué. Genre, le titan, il attend pas que tu le tues pour sauver l'autre gars, quoi. Et t'as eu le titan pour lui, qui était revenu, et il te balançait des rochers dans le cul. Merde, putain, c'était trop rageux. Elles sont à 8 étoiles. Ah oui, ah mais oui, t'as été plus en 7 mois, t'as torché le jeu. Pendant mon absence, tu l'as torché le jeu. Mais du coup, malgré que l'histoire est quand même assez bonne niveau, l'histoire, au final. C'est un peu, à toute émission, le jeu est quand même assez bon. Je ferai un total de temps que j'ai fait, que j'ai mis pour finir le jeu quand même. Oh ça merde. Ah j'ai même pas vu qu'il y avait le déviant à droite. Ah t'as pas réussi? Ouais mais moi je crois que je vais attendre d'avoir mon niveau niveau 10 hein. Ou avoir des nouvelles. Je crois que le mieux c'est attendre d'avoir de nouvelles armes. Putain, en plus le con c'est bien placé là. Putain, depuis quand les super déviants ils sont nazes?
T'as les premières missions, les plus simples et tout, les super déviants, ils étaient hyper cheatés là, les missions 4 étoiles, pouf. Super déviants, il est pilipé. Ou alors c'est lui qui est du cheaté. Oh putain, je... Liva, tu es niveau 7 et j'ai toutes les compétences avec... Ah mais du coup, oui, niveau 7 t'as toutes les compétences. Moi je vais jouer à R6, je reste sur le live. Vas-y, vas-y, fais comme tu veux. あ、平気だ。喉は渇いてない。味噌汲んで。おい、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 おい
Alors là. Il me pose une de ces questions, quoi. Comme si j'avais joué récemment à Resident Evil. Comme si j'avais joué surtout en étant cran scindé. Il était une fois des titans, je découpais tous un par un, je vais tous les tuer. Oh là là, t'as des boulets, hein, pas du tout. Oh, c'est bouffé un piège, pour une fois qu'il y a un piège qui sert à quelque chose. Bon, du coup, sinon, je vous raconte une petite journée sur la Japan Expo. C'était marrant. Dans le sens où, la prochaine fois, j'ai vu plus un dimanche, j'y vais le premier jour, la prochaine fois. Je m'arrangerai à avoir le jour de repos, pile quand il faut. Parce que là, c'était pas possible, vu le monde qu'il y avait. Du coup, il y a Mugara qui a faussé en entrée ici, il m'a carrément abandonné. Vas-y, on se fait celui-là.
Eh, du coup, en fait, j'avais dit que ce week-end je suis en vacances quand même. Enfin, mais je pars pas de la semaine prochaine, mais bon. Du coup, je suis en vacances et du coup, je pourrais live beaucoup plus souvent. Putain, j'y reviens du sud et t'as le titan, le super titan qui aura apparu là. Du coup, je pourrais laver tous les après-midi, le soir et tout. Bon, le soir, sauf si je m'en trouve en soirée. Attends, dans une mission de reco, je dois me battre contre des copies de cuirassés et du féminin boss. Sérieux? Non. Oh, c'est du lourd. C'est stylé, ça. Je vais passer par là parce que je commence à douiller vénère niveau ravitaillement. Mais du coup c'est trop bien hein, si des vrais. Du coup ils remettent des boss et tout. Et ça se trouve, il y aura des titans pas eu en plus et tout. Ah, ce serait marrant. Non, s'ils vont mettre le titan danseuse pour le délire. Mais ça m'étonnerait. Dès que j'ai la fibre, je ferai des dives. Mais tu vois, Z, moi j'ai pas forcément la fibre avec une colo pas terrible et j'arrive à assez bien la vie. Donc, essaye avec la Xbox. Il y a la Xbox, tu télécharges Twitch et tout. Tu peux la vie avec Mixer aussi, mais t'auras personne qui va venir. L'ennemi, t'es avec des Anglais dessus en fait. Enfin, des Américains. Et avec l'application Twitch, essaye avec Xbox au moins de la vie pour voir si ça bug ou pas. Et tu verras que normalement ça devrait être bon.
Les ailes de la liberté, c'est quoi ça? Donc quand t'es puissant, c'est attaque. Ah. Je fais des laves, mais... Déjà, mais ça buguait trop. Ah bah, si ça bug trop... C'est la merde. J'ai tout le temps des tâches à faire, c'est hallucinant. Non, c'est une mission ça. Histoire. Il me reste plus qu'une mission ici. Voilà. Oui, j'ai cru que tu m'avais lâché. Hein. J'ai cru que mon Mugara il avait disparu. Attendez, juste deux secondes. Voilà. Oui. Je suis en mission. Il y a trop de titans à mon goût. Ah, j'ai bute sur une cible. Thank you.
Les missions avec que des escorts, c'est chiant. Ah bah oui, là du coup. Christa, bouge ta chatte, j'en ai pas que ça à foutre. Mais quoi? Mais attends, Christa! T'es qu'une sale pute. Non seulement à peine t'arrives, tu fais bouffez-moi, je me laisse à bouffer. Bah là, c'est pas mieux, c'est RN maintenant. Ce serait cool que quand il y a Eren dans notre équipe, il puisse sortir notre titan. Ah bah oui, ce serait cool. Ce serait cool. Parce qu'il faut que si t'es en cop, c'est avoir un mec qui prend Eren et un mec qui prend Levi par exemple. Là, c'est parfait. Mais regarde! C'est pas abusé, même lui, il s'est fait choper direct! すみません、兵長。俺はもう大丈夫です。てめえを守るのも俺の仕事だ。
Samedi, je suis de repos et en vacances, donc oui, je pourrai aller la vue de l'après-midi. Si je suis réveillé. Donc à partir des vacances, ce sera plutôt l'après-midi attaque des titans. Pour faire les roads, enfin tout ce qui est après-midi, on fera les roads de 2000G. Et le soir, on fera plutôt tout ce qui est let's play live. Bon. Je sais pas où elle passe Sacha, mais elle me pète les couilles à mettre du temps. Allez Sacha, faut bouger ton cul. Que j'ai beaucoup de gaz et ça va plus vite. Donc ça. Je suis sûr qu'elle est choper sa chance, cet enculé. C'est bon, tout le monde est mort. Et on se casse. Putain, vous me faites chier avec les missions d'escorte. Hein. Ah.
Mais s'est passé quoi encore? Putain, ils sont pas sérieux, merde. Putain, je suis porté juste tuer un titan ou deux à côté et pouf, le mec est mort. まとめて相手して。ここで巨人どもを食い止める。いいだ。あ、ダメ。救援要請。無視はできねえ。おとなしく。 C'est quoi ces titans qui se mettent tous à se jeter comme ça avec lui? S'il était rouge là. En plus, je suis en train de faire le con. Mais alors là, je sais pas ce qu'il a. Levi est dans ce niveau. Mais. Mais c'est moi qui ai changé de putain de.
Je pense qu'après cette mission, je vais avoir mal au crâne, je sais pas ce que j'ai d'un coup. Oh, salut Mélodine, comment ça va? Ah, je vais bien jouer. Mais là, j'ai un mal de crâne d'un coup. Maintenant que t'es arrivé aussi. Et oh, sinon, je vais bien. Je me suis bien reposé. Une semaine dernière, j'étais bien claqué quand même. Bah oui, tant que j'ai pas niveau 10, je joue encore Levi. Le passage avec Chris dans la voiture est trop compliqué quand ils doivent poursuivre Adam. Mais non, il est pas compliqué ce passage. Merde, putain, j'allais partir autre part. Ouais, sinon, quand de bord, raconte tes mélos. Raconte ta vie. Toujours harcelé par les frères. Les frères pédos. Ouais, c'était les pédobières.
Cool, Christophe. Ah, dans la vitaille. Ah, c'est pas Titan, il est là-bas. Mais comment il l'enchaîne? Depuis que j'ai niveau 7, mais il y va, il est dangereux niveau combo. Oh putain. Ouais, ça je me fais pas chier, j'achète direct. Voilà. C'est Levi. Ah bah oui. Ah c'est bon, on a fini cette zone. Ah merde, c'est niveau 7 le max avec Levi. Même avec tous les persos. Bon bah, Mélo, tu sais quoi? Bon là je vais arrêter le live, mais pour le prochain live, Levi, c'est bon, c'est fini, on ne joue plus. Ça va être triste, hein. Par contre, ouais, je vais vraiment arrêter le live, parce que j'ai un mal de crâne absolu. Demain, je finis le taf à 21h30, donc 22h30, je relive sur je sais pas quoi. Donc je verrai bien, donc je vous dis tout ça demain. Salut.